Bonjour Paul. Bonjour Christophe, ça va bien? Ça va bien. Peux-tu te présenter? Qui es-tu? Je suis portugais, mon nom c'est Paulo Grillo. Je suis l'entraîneur de gardien de Girondins Bordeaux. J'ai fini mon carrière com 38 anos e après comecei directement le traineur de gardien e maintenant c'est la deuxième année consécutive de traineur. J'ai commencé en Arábia Saudita, 3 anos. Après je pars pour Dubaï, après retourne à Arábia Saudita. Après Irã, Bulgária, Cabo Verde e après Estados Unidos, 3 anos. E maintenant, c'est la troisième année ici em Bordeaux. C'est un petit peu, tous les jours, nous essayer pour faire, pour apprendre. C'est bien, c'est bien. Je comprends tout, mais pour parler à chaque fois, c'est un petit peu difficile. Nous avons de normal diplôme qu'il y a em todo o mundo da UEFA, le curso da UEFA. E après, nous avons la spécifique d'entraîneur de gardien, que c'est a parte spécifique. La même chose que se passe le reste du monde, em França aussi, que je parle avec beaucoup de personnes, Italie, et principalement l'Angleterre, que commençait com cette spécifique course. Mais après, j'ai fait les dernières 12 ans, quando nós avons atteint les vacances, je vais faire stage com l'autre club pour nous partager et nous ensemble regarder notre technique, les autres. C'est bien pour nous, pour les entraîneurs de gardien, c'est très important que nous fassions cette partage de la communication. Je pense que c'est que le Portugal manque, c'est ça. C'est que em Portugal, maintenant, c'est un petit peu mieux. Les dernières 4-5 ans, les entraîneurs de gardiens restaient plus ensemble. Nous fait un magnifique 2 ou 3 événements pour année international, qui vient beaucoup d'entraîneurs de tout le monde. Et ensemble, 3 jours, nous fait quelque chose pour montrer que c'est la spécialité de Portugal, de France, d'Espagne, mais je pense que les autres pays, comme France, Espagne et principalement Allemagne, que c'est plus d'avant que Portugal en cette méthode. Pour moi, c'est plus facile parce que moi, j'ai jamais travaillé en Portugal, tout le temps au extérieur, et j'ai mon méthodologie, mon programme, et tout le temps que j'ai arrivé en club, j'ai essayé pour faire une école, un plan pour toute l'académie et après le transfert pour la partie professionnelle. J'ai dit pour la direction du club que j'ai un projet pour faire ici une académie seulement de gardiens de Bordeaux, notre académie. Bordeaux a besoin de, en 4-5 ans, c'est la grande référence en France pour tous les gardiens. Tout le monde va parler que Bordeaux a une école de gardiens, a une méthode spécifique de travailler et que l'étape, les jeunes commençaient com 12 ans et quand arrivaient aux 16 ou 17 ans, les jeunes a préparé pour venir pour le football professionnel. Et j'ai fait un projet que c'est ça, c'est le nom, c'est plein de vol, comme l'avion qu'on va. Et nous avons besoin de plus d'entraîneurs de gardien, mais maintenant je prends avec moi un directeur technique pour l'académie, que c'est de mon confiance, c'est une personne qui travaille 20 ans de football. Et après, nous avons une méthodologie, que c'est la même technique de les pro après les 12 ans. Et nous avons un micro-cycle spécifique, semaine après semaine, pour tout l'étage. Le 19, le 17, le 15, le 14, tout le monde va travailler la même technique, non com la même intensité, que c'est normal, non la même froid pour semaine, mais nous avons un spécifique micro-cycle pour tous les gardiens. Mais tous les gardiens vont travailler la technique que nous travaillons ici. La professionnelle, le pro avec Ben, avec Étain, avec David. Et pour moi, c'est plus, c'est de grande importance qu'est-ce qui va passer ici. Cette année, c'est, comme nous dit, l'année zéro. C'est le commencer maintenant, un mois avant. Nous faisons rendez-vous toutes les semaines
moi, avec le directeur de l'académie, et le directeur de l'académie va parler con tout l'entraîneur de chaque team pour te donner le ce que nous va faire. Après, un papier pour tout dire ce que tu fais, tout envoyer pour le directeur technique, et nous, avec notre ordinateur, nous va regarder combien de pourcentage nous travaillons cette technique. Après, c'est important, il va commencer ici, la même chose que la part pro. C'est important, tu fais la vidéo de l'entraînement de les jeunes. C'est important que quand se finit l'entraînement, ou la semaine, hein, que tu fais la vidéo et que tu donnes pour les jeunes, qui ont 14 ans, qui ont 16 ans, qui ont 17, que regardez, hein, cette vidéo, c'est en haut. Maintenant, regardez la vidéo. Et septembre, octobre, novembre, pour tout garder, qu'est-ce que tout développer, que le travail, hein, c'est bien, hein, pour regarder la différence. C'est très, très important. Je pense que nous fait, comme tout regarder, un livre, comme toute la technique, les photos. Après, nous avons les vidéos. Et ensemble, je pense qu'en 2 ou 3 ans, Bordeaux va développer, il va être une grande école de gardiens en France. Oui, la méthode, c'est Christophe pour nous, tu sais, entraîneur de gardien beaucoup d'années. Je pense que le plus simple possible, c'est le meilleur pour notre méthode, c'est moi. Mon méthode, c'est. Je regardais beaucoup de matchs, le match, l'action des gardiens. Et après, je fais comme que mon méthodologie d'entraînement, mon exercice va d'encontre au que se passe dans le match. Et après, je divide mon méthodologie de travail en 6, 7 moments de match. Les 1 contre 1, les possessions du ballon avec les pieds, les contre-attaques avec les pieds ou la main, quand tout va sortir de but. C'est 6, 7 moments que moi divide et pendant la semaine, nous essayons pour travailler toute la technique. Et après, c'est très important pour l'entraîneur de gardien. Quand ton head coach, d'entraîneur, de coach, te comprend et te donne l'espace pour tout faire ton travail. Et maintenant, je suis très content. Après l'arrivée de cette nouvelle staff avec Paulo, Paulo Souza comprend très très bien que le gardien a besoin, me donner tout l'espace et pour moi travailler le temps que moi besoin. Et après, autre chose que cette année c'est plus facile pour moi, c'est que le préparateur physique me donner et m'aider. Chaque fois, elle me regarde le mouvement du gardien pour la potence, pour la force. Et c'est bien, c'est plus facile pour notre méthode et aussi pour l'académie. Maintenant, je pense que c'est important pour moi, toute la semaine, une fois par semaine, vient un gardien de l'académie ici pour regarder ce qui se passe ici, l'ambiance, l'atmosphère. Hein, pour traîner avec Costil, Ben Costil c'est une référence, c'est une référence non seulement en Bordeaux, mais en toute la France. C'est un gardien qui fait une carrière magnifique, sélection, en Rennes, ici. Et après, c'est important pour les jeunes, regarder que c'est possible, c'est travailler, c'est l'esprit de sacrifice, alcancer quelque chose de plus. Em Portugal, c'est que c'est mon pays, avant de moi vir ici, nous regardons beaucoup la Ligue française, parce que la propre histoire avant, Portugal et France, c'est un pays que c'est très proche. Et nous regardons beaucoup la Ligue française. La Ligue française, développée année après année, c'est meilleur et meilleur. Les grands joueurs ici. Et après, l'histoire de France a beaucoup de gardiens. Une histoire que c'est magnifique, Coupé, Bernard Lama, et beaucoup, beaucoup. Mais c'est très intéressant pour que les gardiens français aient beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité. Maintenant, un gardien français qui jouait en Portugal, après Salah, avant
pardon, Salin jouait là 3, 4 ans. Et maintenant, Bernardo est une première ligue portugaise. Il fait une magnifique saison. Et je pense que le travail en France, c'est un bon travail. Un bon travail pour le gardien. Moi, c'est la troisième année et j'ai regardé que a un bon travail spécifique dans tout le club. L'atmosphère, la condition pour tout travailler, c'est bien. Et après, je pense qu'il y a un style de gardien français. Ah, c'est un gardien qui joue bien avec les pieds. 100% que c'est un pays que tout le gardien a beaucoup de techniques et comprennent bien le match. Et je pense que peut-être c'est un gardien qui n'ont fait plus de risques pour sortir de les buts, mais le football étoile, c'est plus difficile pour le gardien. La coupe d'arrêt, tout, c'est plus difficile. Mais je pense que la France va une bonne futur pour le gardien français. Normalement, nous faisons un entraînement par jour. Et si c'est possible, normalement, c'est 5 entraînements, 6 maximum. Mais normalement, le micro-cycle, c'est 5 fois. Et nous avons besoin de ce que nous faisons, que nous pensons. Que pour la semaine, c'est que nous avons besoin principalement de comprendre ce que notre équipe va faire. Et maintenant, c'est plus facile parce qu'on a la stratégie et que notre gardien jouait beaucoup. Porque Paulo, j'aime que le gardien joue avec la ligne défensive et qui organise le match. Et pour nous et pour moi maintenant, l'organisation de l'entraînement, le pourcentage. Grande passe pour le bon joueur com le pied, que la bonne décision et le plus important que le gardien comprenne le match. Non seulement c'est là pour le match, mais que comprenne ce qui se passe, que sont les movimentations de toute l'équipe. Et pour organiser la semaine, je pense que 40% de notre travail, c'est un travail tactique avec le gardien. Et après, les autres 60%, c'est avec les traîneurs de gardien, la même chose que tu fais et tout. Et nous travaillons les techniques plus importantes pour moi, que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus important la position et la surface. Tout le temps, la position, c'est 50%, le travail, c'est fait. Si le gardien commence l'action en une bonne position, après, c'est plus facile pour faire la technique et après la réaction que tu as pour le mouvement. Mais la position et la surface est très important. Le travail de la salle musculaire, le travail psychologique et après le travail de vidéo. Aujourd'hui, c'est très important. Nous faisons la vidéo de l'entraînement, toutes les vidéos d'entraînement. Après, nous faisons que c'est le plus important et nous montre à Ben, à Gaëtan et à David ce qui se passe, ce qui s'est amélioré ou ce qui s'est bien. Et après le match, la même chose. Quand c'est le match, nous avons un software avec mon iPad que nous s'est connecté direct en un moment et moi fais le clic en toute l'action de le gardien. Clic, et quand c'est fini le match, nous y a de highlights, de résumés de toute l'action que notre gardien fait en un match. C'est plus facile pour nous. Après commencer la semaine, normalement, la deuxième session de traînement, nous regardons le vidéo et ensemble, le gardien me donne le feedback que vient et nous ensemble discuter. Chaque fois nous fait, mais normalement avec l'équipe, non só spécifiquement pour le gardien, mais Paulo, a staff de personnes qui travaillent seulement pour la partie d'adversaire. Et que c'est là, inclusive, la partie du gardien. Qu'est-ce que l'attaquant fait, tout ça. Après, je fais seulement pour les attaquants. Et chaque fois, non, tout le temps, le plus important, la coupe d'arrêt et le penalty, la statistique. Je suis une personne que ma vie, c'est le football, c'est le gardien. J'aime. J'ai une phrase tout le temps que dit « I love this game ». Tout le temps que l'Internet dit « I love this game ». Et chaque fois, Ben et les autres gardiens, « Paulo, I love this game ». Grande parte de mon jour, c'est quand c'est fini l'entraînement, je vais regarder
de resumé de match de todo o mundo. Je vais regarder vídeos na internet, o que é que se passa em China, em Brasil, em Portugal, em França, em Espanha, porque je pense que se nos regarder o que é que os outros em Renault de Guardian fez, nos aprende, se é possível nos regarder que chaque fois, oh, je ne fais ça, mais c'est bien, e adapter pour mon métallurgie. J'aime beaucoup à partager tout com les autres entraîneurs. Je suis une personne que je pense que parler avec les autres, c'est tout regarder les autres. Hein? Après, c'est bien pour moi. Hein? Je suis plus forte, plus costaud pour mon travail. Et je pense que c'est la clé, c'est ça, c'est à partager ensemble et tout, hein? Tout nous va mieux en le futur. Je pense que le plus difficile, hein, Christophe, c'est quand nous perdons. Quand nous perdons un match, c'est difficile. Et après, le plus difficile pour moi, c'est la même chose quand moi jouer, c'est je perds des matchs, mais ça vient d'où 3 buts, ou 3, 4 buts, et tu n'as pas chance de faire quelque chose de différent. La tua sensação é que que se passa? Je pense que le mot c'est la frustration, né? La frustração de tu, não sei, pas possible, je fais mieux, je fais quelque chose pour, não sei, pas, mas c'est difficile. Mais je pense que ensemble, l'entraîneur de gardien e le trois gardien, c'est le moment que nos vient pour l'entraînement e que nos continue notre travail. Que quando ande de guardiã, nos regarde que vá a petit pot, hein? E eles outros, ensemble, hein? Nos push, né? Por lhe trouver que aqueles coisas. E eu penso que seria o mais difícil ser a sensação quando tu perdes o match. Hein? Seria o mais difícil. Já trabalhei com Raiz Mboli, o guardiã que joguei beaucoup d'années em França. C'est mon guardiã. 12 saisons, une saison en CSKA en Bulgarie, et après nous va ensemble pour les États-Unis. Et entre les 12 saisons, c'est la Coupe du Monde en Brésil. Et Raiz, et cette année, c'est fait une magnifique saison, et après nous rester ensemble pour travailler. Et le moment en que Raiz part pour la Coupe du Monde. E ser o melhor guardião da Copa do Mundo 2014, que fez com que a seleção da Algéria continue na Copa. E après, Raiz, tudo que lui fez é incroyable. Incroyable. Ser o melhor arrêt de la Copa, le trois melhor guardião de la Copa. E après, quando moi regardais ça, c'est mon meilleur souvenir entraîneur. Le 12 ans, c'est que mon baby, mon garçon, c'est là. E après, quando se finir o match, o dernier match de Algéria, que perde o match contra a Alemanha e Raiz de MVP of the match, me apela, o match fini, apela 5 minutos, meu telefone e se Raiz e diz: Merci, papá. C'est quelque chose que jamais vai oublier ma vie. C'est incroyable. C'est magnifique, hein, Christophe? Quando nós comecei, e tu aussi, quando nós comecei 10 anos avant ou 12, não sei, a mesma coisa, changer, changer. E da dernière 4, 5 anos, c'est incroyable, incroyable. E c'est changer, changer. E plus choses pour tout faire. Le material que vient, tous les jours, l'évolution de material pour nous travailler avec notre gardien. La vidéo, la caméra, le drone, nous travailler avec drone. Jamais 10 ans avant, je pense que va faire l'entraînement pour le gardien avec drone. Et maintenant, c'est possible. Et pour regarder le mouvement, la distance entre le gardien et défensive ligne, c'est possible. Tout, non seulement tu parler et donner le feedback pour ton gardien la science, mais après l'entraînement, c'est là, la vidéo, c'est là. Et c'est facile pour chaque fois, et tu jouais beaucoup d'années et moi, chaque fois l'entraîneur nous dit quelque chose, il nous dit, oui, coach. Mais tu penses, non, ah, je fais bien, lui, c'est. Après, avec la vidéo, c'est là, la image, c'est là. C'est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur de l'évolution du football pour nous aider.
un nous, un traîneau de gardien, et c'est la vidéo. La vidéo, c'est incroyable. Il y a l'évolution de la nouvelle technique. Les gardiens plus physiquement, plus disponibles. Aujourd'hui, le professionnel de football a une capacité, et pour moi, le gardien différent de tous les autres, plus sacrifice, hein, plus professionnel. Le gardien, c'est un fighter, je ne sais pas le mot en français. C'est incroyable. Hein? Tu regardes le gardien, et c'est là, tout le temps, 100% là. Et l'évolution, c'est fantastique, c'est incroyable. Et continuez, hein? continuez. Je sentir que toute l'année, je suis meilleur entraîneur. Meilleur entraîneur. Et besoin de plus, hein? plus pour nous. Normalement, après, maintenant, comme Ben, que c'est le. Nous va parler de Ben, c'est que le gardien qui va jouer, et Gaëtan a joué aussi. Nous restons ensemble en hôtel, mais n'a pas de rendez-vous. C'est un jour tranquille. Quand nous arrivons le match, moi donner la chance, pour avant de commencer la saison, ensemble de gardiens, nous fait un rendez-vous pour l'échauffement du match. Et tout, Christophe, qui. C'est un entraîneur com beaucoup d'expérience. Chaque fois, le gardien a besoin d'échauffement différent. Un gardien qui aime 40 minutes d'échauffement, plus intense. Autre gardien, seulement 20, 25 minutes, voilà. Hein, l'atmosphère du match, jouer un petit peu, faire quelque chose pour. Hein, pour tout, ok, je suis bien pour le match. Et j'ai fait un rendez-vous et un gardien, chaque gardien me donnait. Paul, pour moi, si c'est possible, le jour du match, je fais ça. Je regardais et après, notre communication, nous adapter ce que je pense et nous fait un bon échauffement. Normalement, je ne sais pas ce qui se passe dans le reste du monde et nous, moi et toi, nous parlons avec ça. Normalement, le jour, l'échauffement pour le match, je vais avec mon gardien, le 3, tout le temps, le 3 gardien. E se le tua guardia ensemble que fez l'échauffement pour le gardien que va jouer, moi c'est là pour seulement donner le feedback. Se le tua guardia que fez l'échauffement ensemble, que donne-nous le temps, tout nous va là, e moi c'est là pour donner seulement le feedback positif. Como tu me conheces, je sais là, hein? Je parlais beaucoup, bien, Gaëtan, va de vie, pá. E c'est notre jour de match, non, c'est tranquille, e normalement, c'est ça, non changer, c'est ça. Je pense que tu es d'accord avec moi que l'internet, c'est une chose magnifique, mais attention. Une chose, c'est que tu regardes entraînement, une vidéo de science de gardien, Brésil, Portugal, France, mais tu as besoin de comprendre ce qui se passe là. Non, c'est que je pense que beaucoup de personnes regardent le vidéo et après critiquent. Critiquent pourquoi? Ah, cette personne fait ça. Ok, regardez que nous regardons le vidéo. Que c'est le jour que lui travaillait, c'est ça? Pourquoi lui travaillait cet moment? Et l'Internet donnait. Et aujourd'hui, les entraîneurs de gardiens vont pour l'Internet. Il y a 1000 vidéos, 2000, 3000, 5000 vidéos. Et attention, mais je pense que le meilleur conseil, c'est regarder. Tous les jours, nous avons besoin de donner 25, 30 minutes. Avec notre ordinateur, e nos va chercher quelque chose, hein, em quelque part do mundo, o que é que se passa lá, o que é que se passa em Espanha, o que é que se passa em Portugal, o que é que se passa em China, o que é que se passa em Brasil, c'est très, très importante. E eu penso que a internet, c'est a boa chose por nos prendre quelque chose por nous e adapter ao nosso trabalho, à nossa metodologia. E je dis, c'est a frase que moi utilizei beaucoup. Chaque fois, je ne suis pas d'accord avec l'entraînement de l'autre, mais je respecte. Je respecte beaucoup, parce qu'après, c'est possible que
c'est bien, porque se ele trabalha sem essa, e se ele gardien développé, não é pas possível que nos vá critiquer. Nos besoin de respect e nos fait outras coisas, porque nos pensa que c'est melhor por nous. Mas le mot, c'est respect. Respecte tout le monde, respecte le travail, respecte le travail des autres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses pour nous faire ici en Bordeaux et bonnes choses. J'aime ma vie ici, j'aime le club, j'aime la personne qui m'a travaillé. C'est mon 13e année, j'ai plus 3 ans de contrat, mais moi. Je pense que mon objectif, c'est pour moi, c'est que j'ai besoin de plus. Mon objectif, c'est gagner une Champions League. Je vais gagner une Champions League. Je ne sais pas si c'est la prochaine année, si c'est en 5 ans, mais je dis pour mon père qu'une fois, mon père, je vais regarder une TV comme la Champions League. Je vais gagner, 100%. Não, je te vais dire deux phrases, ok? Eu sou guarda-redes, em português, mas je te vais dizer em inglês la phrase que jamais, je vais oublier cette phrase, e c'est ma phrase quando je viens pour le traitement, c'est I love this game. And Christophe, I love this, I love. Merci, Christophe.